ساعات كان كيوقعها مرة أخرى الزميل فؤاد الحناوي اللي كيوضعنا يعني في صورة لعشاق أسود الأطلس والارتباط الوفي يعني بحضور كل مباريات المنتخب. فؤاد التقى مع عينة من الجماهير المغربية في المهجر واللي ما كترطي حتى شي رونديفو مع أي نداء ديال الأسود وكتلبي واجب التشجيع والمساندة. خليكم مع هذا اللقاء. Ils sont deux fidèles parmi les grands fidèles des Lions de l'Atlas. Ils sont ici depuis le début de la compétition, munis de leur Coupe d'Afrique à eux deux. Ont un présage avant le début de la compétition et une Coupe d'Afrique qu'on n'a pas gagnée maintenant depuis 76, autant dire une éternité. Alors tout d'abord, présentation de nos deux chers supporters de l'équipe du Maroc. Amrar Abdelmajid, je viens de France, de plus précisément de Héricourt, à côté de Sochaux-Montbéliard. Voilà. Et notre ami le Doukali. Ah, le Doukali, ouais, je suis d'origine d'El Jadida. Un grand bonjour à tout le Maroc. Ouais. Et je viens de France aussi, je suis l'ami de Abdelmajid. Alors Abdelmajid, une compétition. On s'est rencontrés il y a 2 ans, c'était au Gabon. Donc, comme j'ai dit, un fidèle parmi les fidèles. Vous êtes toujours là, vous répondez présent pour soutenir les Lions de l'Atlas. L'appel du maillot, il n'a pas de prix. Alhamdoulilah, nous, quand on peut faire le déplacement de France ou de n'importe où, on le fait. Et puis, alhamdoulilah, cette année, une belle Coupe d'Afrique. On a bien commencé, 6 points. Les joueurs sont en confiance. Inch'Allah, franchement, c'est cette année ou jamais. Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, même question. C'est l'appel du pays, l'appel du maillot, ce maillot rouge. La rappel du cœur aussi. Vous venez, vous restez ici en Égypte. Vous êtes ici depuis le début de la compétition. Et j'espère que vous allez rester ici le plus longtemps possible. Pourquoi pas jusqu'au 19. Ah, ça serait bien qu'on atteigne la finale et qu'on la gagne. Surtout ici en Égypte, on a une grande histoire avec l'Égypte. Ça serait bien de la gagner. Franchement, on attend tous ça depuis 76. Depuis un but d'un certain Doukali, je pense, en 76, hein, Baba. Hein, eh bien, Inch'Allah, on repart avec la vraie Coupe d'Afrique. Alors, cette Coupe d'Afrique, vous êtes déplacé avec cette Coupe d'Afrique, vous la tenez avant les joueurs. Et c'est l'espoir, et c'est de vivre, de voir le capitaine d'équipe brandir cette Coupe d'Afrique, pourquoi pas, comme j'ai dit, ça sera le 19 juillet, la finale, la grande finale. À vrai dire, cette Coupe d'Afrique, c'est un message pour les joueurs. C'est un message qu'on envoie du fond des tribunes. C'est un message comme quoi cette Coupe d'Afrique, elle nous tient. Et c'est Inch'Allah, bi'idnillah, le 20 juillet, le lendemain du 19 juillet, Inch'Allah, on espère que cette Coupe d'Afrique, elle atterrira à Darbeda Mohamed Khamis, Inch'Allah, bi'idnillah. Okay. Et donc, comme un mot de fin, vous y croyez à cette victoire probable des Lions d'Atlas ici au Caire? Oui, franchement, on y croit. On y croit plus que tout. C'est l'année ou jamais. Franchement, on est à fond derrière eux. Inch'Allah, ils vont le plus loin possible. Et Inch'Allah, qu'ils la gagnent. Qu'ils la gagnent, voilà, c'est le rêve que caresse tout supporter ici qui fait le déplacement. On a vu beaucoup de supporters, pas moins de 7000 lors des premiers matchs. Et sûrement, il y aura encore des supporters qui vont faire le déplacement, que ce soit du Maroc, que ce soit de l'Europe, avec ce rêve. Caresser cette coupe, la gagner. Inch'Allah. Un petit coucou. Un petit coucou Nas Chamel, Nas Arif, nous aimons beaucoup, de Tanja à la Gouira. Allah yhafdhkoum.